zulu mvumbiza lombo ndyamu mena nyonga ya nzila mayama mulembo kema matswandere ilemba ne mukula kanda ya ele nkondibila musese dya kuyambala intwarika kanya intwake chitunga kyava yendela manenga kumayama masangi mabeto yakabiswa mweya matabisu makitanto kitwatungidi kintwarika kanda kitwake chitunga kyava yendela manenga kumayama masangi mabeto yakabiswa mweya matabisu makitanto kitwatungidi lolo mangeni mpemba kuyoka maja kinkala utwalembana muwisana mukanda ya singuluni yabwa beto bansoba mbangi twe mikuku nyungu myavutuka mukyadiya ululembane mutunga kitwali pasiro muna kalwato kwaza monako lumbuchi mibwili kwemitukilie peuple du monde, peuple congolais, chers amis, je pense que tout le monde a compris pourquoi j'ai choisi Lungamani. C'était pour démarrer ce bulletin politique, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans notre pays. Il faudrait que la politique reprenne ses droits, ce que nous appelons la réelle politique. Nous sommes en politique. Je pense qu'il faut revendiquer des victoires, pas des moindres. Lorsque nous sommes positionnés sur l'avenir du Front CEPA depuis des années, en Afrique de l'Ouest, il y avait le professeur Agbo, Mamadou, et que j'avais vu qu'il y avait ces vides-là qu'il fallait pallier au niveau de l'Afrique centrale. Et voilà, M. Abadoukou se lance dans le combat du Front CEPA, aujourd'hui qui a fait bouger, sinon, a fait traverser les lignes. C'est ça la politique. Elle est articulée autour de rapports de force. Le jeune Kémi Séba, oui, qui a l'aura, mais le combat était débuté par nous autres. Je pense que j'ai cité ces noms-là. Il y a Congo Page qui nous a fait de temps en temps l'honneur de reconnaître que le combat que j'avais livré par une radio africaine avec un professeur de l'Institut de la Banque de France, aujourd'hui, a produit ses fruits. Donc nous sommes dans la réelle politique. Ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, pas plus que j'ai fait le tour de la question, je prends toujours le temps de lire tout le monde, j'ai consulté les anciens ministres, j'ai consulté la jeunesse congolaise, j'ai reçu beaucoup de courriers venant du Congo. Effectivement, nous sommes sur le bon chemin, sur les chemins battus. Maintenant, ceux qui veulent s'amuser avec la politique, je n'ai jamais interdit, de temps en temps, de brûler des feux rouges. Ça peut arriver, ce qu'on appelle l'exception. Donc, je ne ferai pas un procès d'intention envers qui que ce soit. Notre peuple souffre tellement, meurt des fois pour simplement un problème de sang, alors que ici, c'est des choses que nous ne voyons plus en France, mourir simplement parce qu'il manquerait une poche de sang. Donc, il y a un pays à construire. Nous devons aller par le dialogue. J'ai vu les gesticulations du côté de l'ONU qui semblent pousser les Congolais à reconnaître le pouvoir de Sassou pour pouvoir installer ce dialogue. Donc, nous avons gagné ce combat de communication. Nous avons raison que le pouvoir du Congo, puisque l'ONU nous y pousse de reconnaître le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, nous ne le reconnaîtrons jamais
C'est un pouvoir qui fonctionne par défaut, parce que ce qui tient un pays, c'est sa constitution. En certain moment, le combat flottant de constitution, c'est inédit, c'est des choses qu'on n'a jamais vues nulle part ailleurs. Il fallait, dans la foulée, arrêter le Parlement. Le Parlement a continué à fonctionner parce que ce sont des gens qui n'ont pas de convictions. Et puis voilà, ça a donné ce cafouillage-là. Ce qui fait que dans la précipitation, c'est comme un voleur. Des fois, il oublie de prendre certaines précautions. Donc, monsieur s'assure dans la nasse, nous ne céderons jamais parce que la constitution du Congo, c'était un matin, un neveu de monsieur Denis Sassou Nguesso. C'est M. Iloki, pour dire son nom, avec Denis Sassou Nguesso, ils ont promulgué la loi, la Constitution, et donc, c'est le pouvoir de Denis Sassou Nguesso fonctionne par défaut. Et donc, il n'est pas légal. Il n'a pas d'assise populaire, parce que, ça dit la légitimité du peuple, lorsqu'on fait des Congolais simplement des électeurs, et que on met la barrière financière, 1,5 million pour être candidat, non remboursable, dans les caisses de trésor public, c'est une faute grave. Donc, le Congo aujourd'hui est sur deux situations. La légalité du pouvoir, que les juristes congolais ont été incapables de démontrer à la place du monde, que la constitution du Congo n'a jamais été voté, et que le pouvoir du Congo est légitime parce qu'il n'a pas d'assise populaire. Lorsqu'on s'embarque dans une élection locale à 1 million et l'élection présidentielle à 25 millions pour être candidat, ça faut surtout. Et puis aujourd'hui, puisque nous allons parler de la dette souveraine, l'État n'a plus de ressources, les États modernes sont obligés dans leurs ressources d'aller emprunter ailleurs. Cela fait partie maintenant du jeu économique. La preuve, la troisième puissance du monde, le Japon, sa dette dépasse les 100%. Donc, ce n'est pas la question. Donc, nous avons à moraliser la vie démocratique au Congo. Donc, revenons sur cette victoire du Fonds CFA. Ceux qui nous disaient qu'ils ont mené ce combat d'arrière-garde, pour prendre la parole, on a obligé d'avoir un petit Français à côté, je ne sais pas si c'est pour lui donner des gages, oubliant que notre peuple souffre. Avec les moyens de communication dont dispose le monde, les pays se sont rapprochés, ce qu'on appelle le village planétaire. Donc on ne peut plus venir. D'ailleurs, pour l'exemple, vous avez des riches en France, le monde a changé. Vous avez des pauvres. Au Congo, même si le Congo caracole à la dernière place de l'économie du monde, il y a des riches et il y a des pauvres. C'est ainsi va la vie, c'est comme ça. Donc nous ne pouvons plus vivre au siècle passé. Nous sommes au 21e siècle. Donc il faut qu'on écarte un peu ce petit complexe que nous avons. Ma peur, c'est, je disais, je forme des cadres français. Le jour que par hasard, si je prenais le même avion, arrivé au Congo, celui que j'ai formé devienne mon chef. Ça c'est inquiétant. De voir les choses comme ça. Donc, il ne faut plus voir le monde comme ça. Je disais, ce n'est pas ceux qui vont voir Macron, mais des gens comme nous autres, nous ne fréquentons pas les mêmes personnes, mais nous connaissons les mêmes personnes. La preuve qu'il y a un échange par les réseaux sociaux avec le président Emmanuel Macron qui vient faire la démonstration, de donner quand même, de nommer une secrétaire d'État porte-parole du gouvernement ou du gouvernement à une dame noire s'en dit long. Donc nous participons à ce combat politique. Donc ceux qui veulent mener ce combat d'arrière-garde, qui nous ont dit que ce n'était pas possible, on ne peut pas. Non, la monnaie, c'est basique. La monnaie repose sur l'économie. Donc on ne peut pas sortir autant de billets, autant de pièces pour une économie qui ne présente rien. Alors maintenant, ceux qui veulent rester dans ce combat d'arrière-garde, je ne sais pas comment on va faire avec les transports, il faut se promener avec les 100 grammes de sel échangés pour rentrer un bus ainsi avec le porte-monnaie. Le monde a évolué,
Et donc, nous allons aller vers le dialogue national inclusif. C'est le mot, en tout cas, qui peut nous unir entre ceux qui sont pour Boukadia. Maintenant, évitons un peu des mots qui ne nous apportent rien. Hein, c'est subjonctif, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Donc, revenons sur ce qui va déterminer l'avenir du Congo sur le dialogue, peu importe la conférence nationale ou conférence internationale. Mais moi, je pense que il faut aller aussi vers les sentiers battus, les chemins tracés. La conférence nationale, ça se réduit de ça. À partir, nous connaissons très bien, c'est un chemin rodé, hein. C'est un chantier déjà battu. La conférence nationale n'accouchera que une transition. Et une transition sera là pour gérer les affaires courantes du pays et préparer les élections crédibles. Les fichiers actuels, à trop de défauts, je l'ai expliqué, sauf que le relais n'est pas pris. C'est impensable en démocratie qu'on puisse pondérer, en tout cas les fichiers électoraux, par la superficie. Ça n'a jamais existé nulle part au monde. Je suis à Creil, nous avons des électeurs urbains et semi-urbains. Donc, je suis obligé de faire, quand je fais la campagne, de temps en temps de prendre ma voiture. C'est comme ça. Et donc, je parlais de ce désert démographique dans la partie nord du pays, où vous trouvez plus de députés, et dans la partie sud du pays, où il y a plus d'électeurs, moins de députés. Donc, ça ne tient pas debout, ça ne colle pas, ça ne tient pas la route. Donc, le gouvernement de transition sera là pour régler cette question, gérer des affaires courantes et nous engager dans une élection crédible. C'est une réponse à la diaspora aujourd'hui qui semble vraiment nuire en ce pouvoir usurpé des délégations. Il ne reste plus que la diaspora et nous avons intérêt de nous unir. L'union a toujours fait la force. Et donc ce soir, ne comptez pas sur moi que je vais lancer des piques au niveau de mes amis, mes frères de la diaspora. Ce qui est important pour moi, c'est le débat contradictoire. J'ai toujours soutenu la pensée des maires saisis. Ce qui serait fâcheux, hein, c'est de ne pas accepter la différence. Donc, je suis habitué à ce genre de combat politique à la place du monde. Donc, je viens revendiquer ici la victoire du CFA. C'est celle qui va nous conduire à engager notre pays dans la voie démocratique. Donc, nous imposerons la démocratie au Congo par les moyens modestes dont nous disposons. La preuve, nous n'avons pas pris des armes pour bouger les lignes du Fonds CFA. Le résultat est net. Maintenant, ce sont des options. Ceux qui veulent aller par la force, le champ est ouvert. Si ce n'est pas le second populaire, pour le moment, le dialogue semble s'imposer. Faisons attention à certaines dénominations. Je pense au fonds pour le sérieux. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas jamais donné des résultats parce que ce sont des mots qui sont mal entendus au niveau de la communauté internationale. Les fonds de libération de l'enclave du Kabila, les FLEC. Donc, je ne serai pas dans cette position de faire un FLEC au Congo, un fonds, je ne sais pas quoi. Je pense que aujourd'hui, nous pouvons, le chemin a été tracé. Je pense que c'était pour rassurer ce soir les Congolais que nous allons continuer le combat. Donc, j'ai eu le temps d'interroger les anciens ministres installés en France. J'ai interrogé une partie des responsables politiques de la GLS qui mène un combat remarquable. Je pense à Donald, on ne le dira pas assez. Je pense au président Toutain,
Je pense à Roland Itou, qui m'a toujours soutenu dans ce combat-là. Et donc, tout est là. Bon. Je pense que nous avons des hommes pour mener ce combat-là. Donc, c'était ce soir donner espoir au peuple congolais que le pouvoir de Sassou est illégal, même si l'ONU nous demanderait. C'est un sous-entendu, quand l'ONU s'avance, de reconnaître, ça veut dire que c'est un pouvoir illégal. Et donc, pour le réguler, nous serons obligés de passer par la case dialogue national, transition, et puis pour aller vers une élection crédible. Maintenant, je fais appel aux amis de Moukoko. D'arrêter avec les murs de lamentation, de s'unir à nous. Le temps passe, si on continue avec les lamentations, Moukoko ne sera jamais d'accord. Il a été l'un des finalistes de l'élection truquée par Denis Sassou Nguesso. On va dire que ça fera partie du passé. Maintenant, ceux qui veulent voir Moukoko libre, il faut aller vers imposer ces dialogues. Et nous avons les moyens. La brèche ouverte par les Nations Unies, alors faut éviter de venir faire des fausses intellectuelles ici. On n'a pas été capable de démontrer que ce pouvoir fonctionne par défaut. On ne l'a pas dit suffisamment. Nous n'avons pas dit suffisamment. Donc, il y a des lacunes du côté de cette élite, soit qui a été trop formée, et soit qui a peur. Nous avons dit que la peur n'amène jamais les gens vers le progrès. Nos amis occidentaux, ils ont exploré sous l'eau, la terre, le ciel, ils n'ont pas eu peur. Donc, il faudrait qu'on enlève cette peur en nous. Nous sommes dans la vérité. Notre peuple souffre. Ce qui est bon, nous le dirons. Ce qui est bon pour le petit français est aussi bon pour le petit congolais. C'est tout. Simplement le dire. Notre combat a été repris du fond CFA par les Gilets jaunes, qui sont en train vraiment d'embêter le pouvoir du président Macron. Je pense qu'il m'écoute. Cette affaire du fonds CFA, la chanson a été entonnée par les ministres italiens, mais l'Afrique reste en marge de ne pas s'engouffrer dans ce combat. Toujours la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Il faut qu'on quitte un peu la peur. Et d'ailleurs, l'Allemagne a conforté la position des ministres italiens. Et donc, n'ayez plus peur. Donc, comme on le voit, puisqu'on m'invite souvent à la Kikongo, il y a l'État, il y en a Lingala, ou bien en Kikongo tout court. Les gens doivent se débrouiller et parler les langues nationales, c'est une richesse pour moi. Donc, Banatalas. Il y a l'été que Kotangisamaki là. Il faut voir après, dans le soulèvement populaire. Photo la Nanzela et celle algérien, pas un autre mandat pour Denis Sassou Nguesso. Pas un autre mandat, sinon, au moment où le président Denis Sassou Nguesso, Sassou Nguesso a acquis dans le Sénégal, on parle d'émergence, Bissou Mboka, Zoko Kotakana les poulous. Le fleuve Congo, il y en a assez. Ma belle à l'écolo, c'est impensable d'avoir de l'eau partout au Congo. Quand il pleut, c'est terminé. Alors, si vous commencez à pénétrer en Hollande, la mer à l'écolo, ma belle à l'écolo, et d'une agrandie en Gavanati. Donc, vos communautés, nettement, pas beaucoup, les autres ont les boulots, eux, ils sont incapables, ils sont incapables, ils sont incapables, ils sont bassin. Ils sont incapables, ils sont créés. Moi, je suis là, je suis là, je suis là, bassin. Il y a des tensions d'eau. Pendant que vous captez, on n'est pas capable de faire ça. J'avais même demandé qu'on fasse ce qu'on appelle des bassins fermés, pas à ciel ouvert comme ça. Parce que les autres, on a un peu de temps. On va bouger à la mine parce que les autres bénéficiaires, ce n'est pas ça. En gros, dans tout le monde, bassin, il y a le caniveau, il y a le kouta, il y a le lui, à Tonguinan. Donc, je m'adresse aussi au peuple de. De l'enfant d'adoption de Denis Sassou Nguesso Kola. Voilà, on a été. Vous n'avez pas de l'oubouni. L'an dernier,
Mandat 40 ans, c'est beaucoup. Hein? Youf avait chanté ça. C'est trop. Hein? C'est ce qui nous conduit à la dictature. Donc nous devons barrer la route à ces gens-là. Bon, maintenant je vais m'adresser à Pierre N'Golo. Et finalement, il est rattrapé par l'adage. L'habit ne fait pas le moins. Il a fait croire aux Congolais qu'il pouvait mener une opposition interne au PCT, qui n'est pas vrai. Hein? Une ministre avec Niataï. Alors, il se cumule, président du Sénat, secrétaire général de la PCT, vice-président par intérim, mais il lui manquait le clan. Mais ceux qui reprochent N'Golo de cumula, ils ont oublié que ça sous-fonctionne dans une trilogie. Le matin, soi-disant, président de la République, l'après-midi, président du PCT, ça n'a jamais existé au monde, et le soir, le chef de clan. C'est là où on a parlé, je pense que c'est Boukadé qui parlait de Tambouchi. Aujourd'hui, c'est avéré, parce qu'à tous les postes, on n'avait que des mouchis. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, je pense, nous avons à construire un pays. Moi, j'ai des mouchis dans ma famille. Il n'y a pas plus que... Hein, nous sommes devant les écrans, il y a des gens qui nous suivent. Pas plus que... il y a une semaine, on a eu un repas copieux. On ne peut pas savoir où mon Congo, mon Moshi. Donc, c'est des mensonges. Ne suivez pas les hommes politiques. Ce sont des menteurs. Nous avons des gens qui ont beaucoup d'abissons. Mais qui l'ont étangé trop dans beaucoup d'abissons. Bon, maintenant l'Église catholique. Je reviendrai. Je suis enseignant, donc j'ai l'habitude des anaphores. Hein, quand on n'a pas compris, que j'explique encore ce qu'on appelle le martelage. Mais voilà Jésus-Christ, le désert, 40 jours. Satan a obéi la meeting à Sedakiti. Donc, on a vu en France un certain l'abbé Pierre, qui était du côté du peuple souffrant, jusqu'à refuser. Il avait pris la médaille bien après qu'on aurait réglé les problèmes des Français. Il a dit, pas de la médaille, la Légion d'honneur, c'est un honneur. Il avait refusé. Et donc, l'Église, qui s'est couchée à Ouyou, je ne parle pas de toute l'Église, où c'est toute l'Église, ça c'est une affaire d'être réglée dans l'Église catholique, moi je ne m'en mêle pas. En tout cas, l'Église catholique s'est couchée à Ouyou et ce n'est pas normal. Et quand on a fait ça, je pense à Jules Romain. Il a dit, les petits, ça discute quoi? Les personnes. C'est pourquoi ce soir, ne comptez pas sur moi que je vais discuter pour X ou un test. Je ne suis pas à ce niveau-là. Lorsqu'on a goûté à la députation française, on ne peut pas être à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas dans les caniveaux. C'était très difficile aujourd'hui, avec cette actualité qui est intense, de prendre la parole. Non, la politique doit répondre ses droits, et je suis là pour ça. Et maintenant, on disait les moyens, ils vont discuter des idées. Nous discutons, moi je suis au niveau des principes. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas autrui. Et donc, je veux dire par là, on a vu que Denis Sassou Nguesso, le mois de mars, moi, je n'ai pas parlé. Même ce jour de poisson d'avril, je ne me suis pas amusé à jeter des paroles en l'air comme ça. Je suis resté sérieux parce que la politique, n'est pas, c'est un jeu démocratique, mais ça demande un certain sérieux. Moi, je suis comme Raymond Barre. Je ne viens pas m'amuser. On a continué à l'appeler professeur, juste même dans l'hémicycle, on a continué à l'appeler professeur. Moi, je suis comme ça, donc je n'ai pas envie de m'amuser. Quand on voit un peuple tous les jours qui souffre, on ne peut pas venir présenter à la place publique, avant de faire du cinéma. Et donc, nous sommes au niveau des principes. Lorsque M. Sassou a commémoré la mémoire de sa fille, et donc nous ferons l'inventaire de tous les Congolais qui ont laissé leur vie pour qu'un jour, le pays soit démocratique. Je pense au fils de Ndoulinanga. C'était émouvant. Il aurait lu là où était emprisonné son père. Il dit, oui, je donne mon sang pour que un jour le Congo retrouve la voie de la raison, devienne un pays démocratique. Et donc, nous ferons l'inventaire. C'est les corps qu'on ne peut plus retrouver. Nous allons mettre des stèles. Ils ont droit
Je dis les mots, mais moi, quand même, vous voyez, dans des situations pareilles. Donc, Massamba Déba, je pense à lui. Kiganga. Et tous les autres. Le président Philbert Youlou, c'est pas parce que mon jeune frère parlait de parti là-bas, c'est pas assez. Et donc, ça deviendra un principe pour la République. Et donc, nous irons tranquillement vers un dialogue national, je dis bien version 1991. Ça ne sera pas la sauce Sassou. Nous sommes dans un mariage, que le monde entier nous écoute, que le président Macron nous écoute. Il a bien eu la gentillesse de confondre la Libye en Europe. Il y a eu une conférence internationale pour la Libye, nous n'en avons pas eu. Et donc nous voulons aller vers la formule de la conférence nationale bis pour installer un gouvernement de transition pour réguler ce pouvoir illégitime, qui n'a pas d'assise populaire, illégal, parce que la Constitution du Congo n'a pas été votée. Donc je m'adresse au premier magistrat de la France, parce que nous avons tant de liens avec la France. Et donc je pense que le moment est venu de tourner cette triste page de l'histoire entre la France et le Congo, pour ne pas parler des relations de peuple à peuple, de peuple à peuple. Donc on sera au niveau des principes. Oui, la France a des intérêts au Congo. Nous aussi, nous avons des choses à revendiquer. Je pense que la France a plus d'intérêt au Congo que le Congo vers la France. Et donc, il s'agira un peu d'aller chercher ce qu'on appelle l'équilibre, l'intérêt général pour les deux pays. On ne va pas continuer à avoir un pays où on ramasse le diamant, on ramasse tout, presque, tout est à ciel ouvert, et qu'on soit les derniers, et que notre peuple ne le bénéficie pas. Ça, au niveau de la morale, ce n'est pas juste. Donc, je m'adresse au président. C'est pas que... On va traiter à égal. Le Congo est un petit pays qui a, en tout cas, une voix à l'ONU, et c'est comme ça que nous en avons discuté avec la France. Ceux qui s'inquiétaient pour la monnaie. La monnaie est une marchandise. Elle se vend, elle s'achète, elle la gère comme une boîte de sardines, les conversions, on les stocke, on fait ceci, donc ce n'est pas le problème. Si la monnaie était un problème, et que le président Macron ou les autorités françaises nous expliquent, dans le Maghreb, il n'y a pas le CFA, mais c'est là-bas qu'on va faire rouler les tramways. Une monnaie d'ailleurs faible, le CFA est plus solide que, en tout cas, les monnaies qu'on trouve dans le Maghreb, alors... Les investissements, c'est pas de l'autre côté. Alors, donc, si on enlève le fonds CFA, eh bien, on remplace par la coopération, exactement de la même manière que ça se passe dans le Maghreb. Alors, je pense que pouvoir finir un peu cet entretien, c'était pour récupérer la place, l'espace politique qui a beaucoup remué pour rien. Et donc, il fallait remettre les choses en endroit. Et donc, j'ai consulté le président Ditu, le ministre Wabari, Pierre Wabaloukou, monsieur Luzala Mouril, qui sais-je encore, monsieur Cicero Massamba, eh bien, il se mettra à pied d'œuvre pour apporter, semble-t-il, qu'il n'y a pas assez d'initiatives. Eh bien, certainement, nous irons vers cette assemblée générale, pas pour désigner un chef, le chef sera désigné au suffrage universel. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, je viens de terminer mon exposé spontané. Et maintenant, je me soumets à votre question. S'il n'y a pas de questions, vous savez comment ça se passe. Lorsqu'un porte-parole vient dire, se met en face du public de la presse, s'il n'y a pas de questions, eh bien, on plie les choses et puis à une autre occasion. Donc, j'attends des questions. S'il y a des questions, j'aimerais bien répondre à deux ou trois questions avant que je quitte le direct Facebook. Bon, il n'y a pas de questions. À une autre occasion, je vous remercie.